Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un emballage cadeau avec de la dentelle. Donc ensuite, on peut y mettre un cadeau, des chocolats, tout ce qu'on veut dedans. Et la personne à qui on l'offre pourra bien sûr le garder ensuite pour y mettre plein d'autres choses. Donc c'est assez sympa. Voilà, donc nous aurons besoin de 4 coupons de tissu 24 cm sur 24 cm. Donc il y en a deux pour la doublure. Moi c'est de la toile de coton que j'utilise, donc un peu épais. Et le tissu extérieur. Donc j'ai pris deux couleurs différentes, je les ai mariées. Voilà, et un entoilage, d'accord, H250 que j'ai collé ici sans les marges. Voilà, on aura besoin de deux coupons de tissu de 24 cm sur 3 cm. Et là, j'ai simplement repassé ici une fois, et j'ai plié comme ceci. D'accord, voilà. Ça, je l'ai fait à l'avance puisque j'étais sur le repassage. Et donc, pour finir, la dentelle, 95 cm, on peut en prendre un petit peu plus, un petit peu moins, comme on a envie. On peut prendre aussi du ruban. Voilà, c'est parti, à vos ciseaux. Alors, pour commencer, on va dessiner le patron sur l'un des tissus, et ensuite, on va découper tous les quatre ensemble pour nous faciliter la tâche, d'accord? Il faudra juste bien les épingler. On prend une règle et on va faire un repère ici à 9 cm. Voilà. Donc ici 9 cm. J'ai tiré une ligne. Donc ensuite, on va se positionner au milieu. Donc on a 24 cm, hein, très exactement. Et on va faire un repère ici à 6 cm et ici pareil à 6 cm. Voilà, il doit nous rester au milieu 12 cm. En bas, on fait juste un repère au milieu à 12 cm ici. Et on va simplement maintenant, j'allais dire, tracer une ligne, un triangle, d'accord? On se positionne ici. Voilà. Donc on va découper ça, ça, ça et ça. Voilà, une fois qu'on a tracé ici nos triangles, on prend une petite feuille de 4 cm de diamètre ici pour faire donc les coins, les côtés. Maintenant, on va la poser sur celle-ci et on va découper tout ça. Si vous n'avez pas des ciseaux qui coupent des épaisseurs de tissu, vous pouvez refaire le patron sur d'autres coupons de tissu. Attention, c'est pas... Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on découpe ça comme ça et ici les petits carrés, d'accord, en bas. C'est fait. Maintenant, on va prendre une partie de la doublure, d'accord, peu importe laquelle, et on va faire ici un repère ici à 5 cm. On s'occupe des languettes et on reprend ça tout de suite. Voilà, on va prendre les petites languettes. Et on va faire deux coutures, une comme ça et une comme ça. Si ça vous semble beaucoup trop fin pour faire deux coutures, eh ben, il vous suffit simplement de faire une couture au milieu. Ça sera parfait aussi. Voilà, maintenant que les languettes sont cousues, alors ce que j'ai fait... J'ai oublié de le préciser, j'ai juste fait un petit ourlet ici, j'ai plié à l'intérieur, hein, c'est tout petit. Donc voilà, c'était juste pour pas que ça s'effiloche en haut. Après, c'est pas non plus indispensable. On prend nos deux languettes et la doublure, d'accord?
et on va fixer nos languettes ici sur la doublure. On la fixe juste derrière le repère, d'accord? Ici on a le repère et on la fixe derrière. Et maintenant, ce qu'on fait, une petite couture ici et ici pour bien maintenir les languettes. Voilà, ça c'est fait. C'était vraiment pour maintenir juste les languettes, donc à 5 mm à peine du bord, d'accord? Ça, on le met de côté et on va maintenant s'occuper de la dentelle. Alors, je vous montre où on va mettre la dentelle. La dentelle va être ici, d'accord? Voilà. Donc, pour ça, on va la froncer un petit peu, ça sera plus joli. Donc, on va simplement passer l'aiguille comme ça. J'ai du fil un petit peu plus solide, d'accord? Parce qu'après, on va tirer un petit peu dessus. Et ensuite, on fera une petite couture à la machine pour la maintenir en place. Moi, voilà, j'ai de la chance. Enfin, j'ai de la chance, façon de parler. J'ai des petits trous ici. Donc, je passe l'aiguille simplement dans ces petits trous-là. Voilà, une fois que c'est fait, ben, on va froncer. Hein, je vais enlever l'aiguille. Voilà. Et on va froncer à la taille. Donc, on va déjà... Ah, j'aurais dû garder l'aiguille. Je vais déjà fixer ça là. Laisser légèrement dépasser, d'accord? Comme ceci. Comme ça, ici, l'ourlet, ça dépasse légèrement. Pour la couture, ça sera mieux. Voilà, je l'ai fixé ici, d'accord? Et je la fixerai ici, de l'autre côté et au milieu. Donc maintenant, on fronce et on essaie, bien sûr, lorsqu'on fronce, de faire les mêmes fronces sur tous les côtés, hein, environ. C'est pas, on n'est pas à quelques millimètres près, hein, mais voilà. Voilà. Je pense que là, on est très bien. Une petite couture au milieu. Pour le maintenir. Voilà, le petit col est prêt. D'accord. Donc on laisse dépasser ici, vous voyez. Voilà, des deux côtés un peu. D'accord, comme ça on verra plus après ici le ce qu'on a découpé, bien sûr, le ruban, et enfin la dentelle ou le ruban, de toute façon on peut prendre les deux. D'accord. Maintenant avec la machine à coudre, on va faire une toute petite couture ici sur le bord, tout doucement, ici. D'accord, pour la maintenir bien en place. Alors pour coudre la dentelle, ce que je vais faire, je vais augmenter la longueur de point, d'accord. Je vais faire des points beaucoup plus larges, beaucoup moins serrés. Ça c'est fait, donc une petite couture ici sur le bord, je vous montre ça de plus près. Donc vous avez vu la largeur du pied, du fil, donc la longueur pardon sur 4, d'accord, c'est plus facile. Voilà, tout simplement à quelques millimètres ici du bord, d'accord. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, maintenant on prend tous les coupons et on va les mettre tous endroit sur endroit, d'accord. Les épingler. Alors celui-ci ici, on va laisser une ouverture en bas. Voilà, ça devrait suffire. Ça, d'accord, on épingle. Celui-ci pareil, on fait attention à bien prendre dedans la dentelle. Voilà, maintenant nous allons coudre comme ceci, ici, ici, comme ça et comme ça. Ici, comme ça, on laisse ici ouvert, on coud là, comme ça et comme ça, d'accord? Alors, les marges de couture, on peut laisser 5 mm, moi je vais laisser simplement la largeur du pied de biche, voilà,
donc c'est environ 7 mm. Voilà, maintenant ça c'est cousu, d'accord. Donc on va faire ça ici sur les quatre côtés, d'accord. Voilà, on va bien mettre l'un sur l'autre, on épingle et on va faire les petites coutures, d'accord, à 5 mm environ. On essaie toujours de bien mettre la couture sur couture. Ça, c'est le plus important. Voilà, ça, c'est cousu. D'accord? Donc à 5, à la taille, j'allais dire, du pied de biche, hein, donc 7 mm, hein, d'accord. Maintenant, on va retourner la doublure, d'accord. Voilà. On a toujours l'ouverture, hein, ici, hein, qu'on a laissée. Et la doublure, on va la mettre dans le tissu principal. Je fais ça de ce côté-là, puisque comme on a la dentelle, c'est mieux de faire ça comme ceci, d'accord. On met bien avec à l'intérieur les petites languettes, d'accord, qu'elles ne soient pas prises dans la couture, hein, sur les côtés, qu'elles soient bien dedans. Et maintenant, on épingle. Mais on épingle bien couture sur couture, d'accord, comme ceci. Voilà. D'accord? Voilà, comme ça. On va épingler ça comme ça. On commence par bien épingler les coutures. Ici, le milieu avec le milieu ici. Voilà, j'épingle bien comme ça, d'accord? Comme ça, lorsqu'on va coudre, ça va être bien, 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 bien droit. On continue ici, de ce côté-là. Faut vraiment bien épingler, c'est très important pour la couture ensuite. On épingle de l'autre côté, on commence pareil par épingler ici l'un sur l'autre. Fais attention que le tissu soit bien mis, hein, qu'il soit pas plié, qu'on n'ait pas de plis dedans et qu'on coule les plis, hein, ça serait embêtant. Maintenant, on va faire une couture comme ça ici et de l'autre côté comme ça. Voilà. Alors, on coud simplement à environ 5 mm, d'accord, du bord. Voilà, ça c'est fait. Alors, on coupe bien ici, d'accord. Et maintenant, on va le retourner. On va passer un bon petit coup de fer à repasser dessus, d'accord. Et là, on va bien sûr coudre, faire juste une mini couture ici sur le bord, d'accord. Alors, une fois qu'on a cousu la doublure, on la met à l'intérieur, d'accord, voilà. J'ai passé un coup de fer à repasser, vous faites la même chose. C'est quand même plus joli, d'accord. Et maintenant, on plie comme ceci jusqu'à
simplement la languette. Voilà, l'autre côté pareil. Il faut que la languette soit comme ça dessus, d'accord? Voilà, on plie ça bien joliment. On peut, si on veut, passer un petit coup de fer à repasser ici, d'accord? Et voilà, ce tuto est maintenant fini. Donc c'était quand même assez rapide, hein, c'est pas compliqué, c'est quand même assez mignon, d'accord? Donc dedans on peut y mettre par exemple des biscuits. Bon, ça c'est pas pour c'est pour les chiens, mais c'est pas grave. Voilà, on peut y mettre des biscuits, on peut y mettre du chocolat, on peut y mettre pourquoi pas des bijoux qu'on va ensuite offrir. Gros bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, bisous, à bientôt.